Sur les réseaux sociaux, cet habitant de Codogno témoigne de la vie quotidienne au cœur de la zone de quarantaine. Séances de sport, puzzle, tâches ménagères, tous les moyens sont bons pour s'occuper. Nous venons de terminer notre entraînement de l'après-midi. Alors Irène, c'était comment ? Le temps s'est ralenti dans cette petite ville de Lombardie, considérée comme le foyer épidémiologique en Italie. Un mercredi de la zone rouge. Aujourd'hui, ma femme travaille à la maison, moi je m'occupe de petits travaux. Heureusement, cette quarantaine nous aide à faire des choses à la maison. Dans la ville, le confinement des 15 000 habitants se poursuit. Dehors, les rues sont désertes, les commerces fermés. Tout est fermé, même Lidl. Au moins, ça nous a permis de faire une promenade. C'est quand même une belle journée. Le temps est bon, il n'y a pas de vent. Comme à Codogno, plusieurs communes de Lombardie sont toujours placées en quarantaine, une zone rouge pour tenter d'endiguer la propagation du virus.